Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 32 de mon let's play sur le jeu Fable Anniversary. On se retrouve dans la guilde des héros, là où je vous avais laissé. Et je me suis déguisé en mignonne. À force de trucider ces bestioles, j'en ai pris une créature, Blarkan, une créature. Et je l'ai décortiqué, je m'en suis fait une belle armure. Et on va continuer nos aventures épiques sur Fable Anniversary. Et du coup, je crois que nous avons des quêtes secondaires à faire. Et notamment, les bandits vous ont engagé pour sauver quelqu'un pendant son transfert à la prison de Bowerstone. Et ben on va y aller avec de l'isblouf. Voilà. On va aller sauver les bandits, puisqu'on est méchant dans ce let's play. Donc on essaye de choisir un maximum de quêtes méchantes. Voilà. C'est obligatoire, c'est comme ça, j'ai signé. C'est pour en baver. Comment ça va, vous? Bien. Alors, faites la quête tout nu. Non, j'ai une super armure. Ne subissez pas de dégâts. On va essayer. Bon, pas d'armée de magie, c'est relou. Même pas ça. Sauvetage des condamnés. Allez, on va essayer de sauver tout le monde. En retour. Eh ouais, les amis. Je vais sauver des bandits. Je vais sauver des bandits. Merci, c'est gentil. Je vais sauver des bandits qui vont aller piller votre village, tuer vos mamans. Mais c'est gentil de m'acclamer. Bon, ben c'est par où le chemin du coup? Tic 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 tic. Ah, la statue, elle avance par là. Mais on n'y va pas. Direction Bowerstone. Et c'est parti pour un épisode 32. En sachant que dès la semaine prochaine, attention, spoil général, dès la semaine prochaine, vous aurez 3 épisodes, le rythme de Fable est augmenté. Oui, on aura donc désormais le lundi Fable, comme d'habitude, le mercredi Fable, pas comme d'habitude, et le vendredi Fable. Ça, ça change. Et après, on aura bien sûr du Dragon Dogma. Le mardi, comme d'habitude, et le jeudi, pas comme d'habitude. Voilà, donc ça vous permettra d'avoir plus ou moins des épisodes et accélérer un peu le mouvement dans Fable Anniversary, histoire de finir le let's play un peu plus rapidement pour commencer de nouvelles aventures par la suite. Et puis vous, je sais que Fable Anniversary, il y a pas mal de monde sur ma chaîne qui regarde. Donc, je pense que vous allez être content de voir plus d'épisodes. Ou alors, vous allez me dire, « Non, Blarkan, pas plus d'épisodes, sinon ça va se terminer. Après, on pourra plus te regarder, il y aura plus de fables sur ta chaîne et on veut pas y aller. Non, s'il te plaît. » Ça, Billy, c'est pas de ma faute. Je surveille. On prépare la venue du prochain fable, Fable Légende. Oui, mais Blarkan, t'as toujours pas d'Xbox One. Et alors? J'ai un PC. Oh mais non, t'aimes pas jouer au PC. Oui, je sais. Oh, je vous rassure, je prépare la future venue. Je prépare la future venue du prochain Let's Play. Théoriquement, Dark Souls 3 lors de sa sortie. Et pour ça, il faudra que voilà, j'économise, que je termine quelques Let's Play. On va bientôt commencer. Si tu veux, papy. Les gardes doivent être vers la moitié de la colline. D'accord. Dépêchons-nous si nous voulons les arrêter. Ok, très bien. On y va. Le salambre des condamnés. Oh oui. Donc j'aimerais terminer quelques Let's Play un peu en avance. Allez, on y va, baston. Je suis un mignon, je suis à la solde de Jack. Ah, bah, j'ai raté. You must wait, faites touchette. Quoi? Ils ont déjà tué un bandit? Non, mais oh là là, c'est un truc de malade. Franchement, les mecs, mais vous êtes complètement broquignoles. Truc de fumeur. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'augmente un peu le rythme. Tiens, méchant. Pour pouvoir me laisser de la place pour la suite. Sachant que...
Amalur continue d'être à 6 épisodes. Mais voilà, malgré tout, ça va vite. Et croyez-moi, la fin est plutôt proche. Donc, tu vas mourir. Donc j'ai besoin de refaire voilà, le stock de nouveaux let's play. J'ai déjà donc Dark Souls 3, vous le savez. Je veux dire, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose que vous avez appris là maintenant. Si vous me suivez régulièrement, vous savez très bien que c'est l'un des jeux que j'attends le plus en ce moment. Et puis bien sûr, il y a la suite. La suite, mes amis. La suite d'une trilogie que j'ai déjà entamée. Une trilogie horrifique. Ça, j'en dis pas plus. C'est pas encore. Hein. C'est bientôt. Mais pas encore. Attends, et ça fait mal. Attends, mais hé. Si j'arrive pas à... Et cette épée, elle est pourrie. C'est l'épée des mignons, mais ouais, YOLO. Attendez, je vais y aller en mode... En mode gros barbare, et voilà. Là, ça va aller plus vite. Viens, t'es moureux, toi. T'es moureux aussi. Et t'es moureux. T'es pas moureux, toi. Ouh, il est pas moureux. Voilà, il est mouru. C'est parti. Donc, une suite horrifique et bien sûr, le troisième let's play. Le troisième let's play. Ça sera une prélogie. Non, c'est pas être prélogie, Blarken. Non, ça sera un préquel. Voilà, un préquel à une aventure qu'on a déjà validée. Oh, ça fait beaucoup, là. Allez. Les mecs, j'ai qu'une minute, alors attendez. Voilà. Donc c'est à peu près la suite. Donc si vous me suivez régulièrement et vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez à peu près ce que je vous réserve. Ils sont mourus ? Allez, une dernière fois et après je me casse, hein, parce que... Pas possible. C'est pas assez puissant ce sort. Billy, tu meurs comme les autres, s'il te plaît. Bon, faut vite se barrer parce que là, on va rater la quête. 14 secondes, 13, 12, 11. C'est chaud. Truc de fou. Donc j'ai bien spoilé, là, voilà, pour cet épisode 32, j'ai bien spoilé le futur de ma chaîne. Oh c'est bon, j'y suis arrivé avant. Avant qu'il meure. Il est pas mort, hein. Les gens Robert. Tic. Allez. Monsieur le bas. Voilà, s'il te plaît. Tu restes couché, tu vas voir papa. Attends. T'es un gros bourreau, moi je suis un gros bourrin. Je pense que tous les deux on peut discuter. Non? Oui? T'es sauvé ou faut que je t'emmène à un autre endroit, dis donc? J'ai bien cru y passer, mon pote. Merci. Bah j'ai bien cru que t'allais y passer, oui. J'ai réussi! Et j'ai raté toutes mes esbroufs. Et jouer méchant, c'est quand même jouer très gros bourrin. Hein. C'est genre, vous foncez dans le truc et vous tapez tout le monde. Bon, ben voilà. Jean-Louis Robert, il est vivant. Il pourra massacrer la veuve et l'orphelin. On continue, on va retourner du côté de la guilde des héros, voir s'il n'y a pas d'autres requêtes en complément. Bien, pour le moment, on est obligé avant d'aller dans la quête principale qui nous obligera à aller dans un... je crois cimetière. Cimetière. C'est dangereux. Il y a des monstres partout et ils veulent tous me becter.
Pépé. Allez au cimetière. J'ai pas envie, ça fait peur, il y a des morts vivants. Donc l'autre quête faisait partie, d'accord, c'était un choix. Soit vous faisiez le choix gentil, vous tuez tous les bandits, soit vous faisiez le choix méchant et vous sauviez le méchant. Bon, on va enquêter au Darkwood, du coup. On va aller voir. Alors, faire la quête tout nu. Non, j'ai une nouvelle armure. Ne subissez pas de dégâts, mais ça, j'y arrive jamais. Pas de magie, c'est trop dur. Empêcher Anglétine d'être blessée. Ah ouais, ça me va. Ouais, on va sauver Eglantine. Donnez tout. Ouais, je vais tout donner. Surtout à toi, madame. Bien. Arcane, c'était dégueulasse. Je sais. Mais que voulez-vous? C'est pas de ma faute. Alors, téléportation, où est-ce qu'on va? On doit aller du côté de machin truc de mes doigts de pied. On va donc se mettre du côté de la coulisse de... La coulisse de Greatwood. Ouais, ça peut être pas mal, la coulisse de Greatwood. Comme ça, on passe directement dans les Marégores. Non, dans les... comment ça s'appelle déjà? Darkwood? Dans la forêt des ténèbres. La forêt ténébreuse? La forêt noire? Ouais, ça peut le faire. Aïe! Aucun respect ces bandits aujourd'hui. Donc le jeu va vite hein, quand même, le let's play va assez vite. Rendez compte, je suis déjà à 30 épisodes. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas, je sais pas, fait quelques quêtes en plus. Ouh, un troll! La mort, le troll! Attends, non, c'était pas ce que je voulais faire. C'est pas gentil, monsieur le troll. On va voir qui est de ta force. De brute ou de ma force. Trollou! Tiens! C'est moi qui ai gagné. Qu'il s'est pas fait quelques quêtes en plus ou... Je sais pas, moi. Des trucs en plus, tout simplement. J'aurais préféré. Parce que là, je m'amuse bah, au jeu original qui a été refait, tout ça. Mais le jeu, je le connais par cœur, plus ou moins. Donc, bien qu'il soit joli graphiquement, bah on va dire, passer le côté joli. Passer le côté, waouh, il l'a refait, c'est joli, c'est tout flex. Et tout ça, cette excitation de revoir le jeu... En haute définition, et puis vraiment, ils ont bien travaillé. Ah, je sais pas, il manque un truc. Je veux plus. Je veux plus, les amis. Allez. Tic-tic-tic-tic. Salut! Ah, ça, c'est pas sympa de tirer sur son copain. Hein. Pas gentil. Alors, faites gaffe les marchands, là-bas, il y a des potes. Il hein. Y a des champignons vénéneux, vas-y, voilà, fais tout péter. Oh là, c'est dangereux. C'est un massacre. C'est un massacre de champignons. Comme ça, on termine ces quêtes, et dès la semaine prochaine, on va dans la quête principale. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Oh, alors comme ça, la guilde m'envoie de l'aide? Bah ouais. Ils me prennent pour une demoiselle en détresse ou quoi? Absolument. Mais, maintenant que vous êtes là, vous pourriez vous rendre utile. J'étudiais un sanctuaire ancien que nous avons trouvé dans le marais, mais soudain, des minions ont envahi la zone. On dirait qu'ils l'utilisent pour une espèce de cérémonie. Quoi que ce soit, c'est sûrement mauvais signe. D'accord, là.
Je vais m'effondre parmi eux. Je vais me faire passer pour la mignonne. Ça devrait plutôt bien se éliminer passer. Éliminez ce qui garde le sanctuaire. Je pourrais peut-être m'approcher assez pour le désactiver. D'accord, patronne. Après, on fait des bébés. Hein? Non, mais t'es sérieux? Églantine indemne, échec de l'esbrouf. La mission vient juste de commencer. J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur un bouton qu'elle s'est fait frapper. Ah bah bravo le jeu. Ah bah bravo. Ouais, bah voilà, merci madame. J'en ai marre de vous, bande de sauterelles. Vous êtes mes cousins. Mes cousins pas frais. Du Nord. T'inquiète, pourquoi du Nord? C'est pas très sympa pour eux. Ouais. Ah, c'est parce que j'habite dans le Sud, alors du coup, mes cousins ils sont dans le Nord. Ça paraît logique. Si j'habitais dans le Nord, j'aurais dit mes cousins du Sud. Voilà. Sans aucune connotation envers mes amis du Nord, bien sûr. Je les aime bien. Comme ceux du Sud d'abord. Voilà. Bon, ça c'est pourri. Nya. On y va. Alors, ouais, c'est pour eux aussi. Vous craignez le feu, les amis? Bubble! Ah non. Cercle de feu! C'est pas top top. Et ça fait quelque chose? Ouais, non. Bon, d'accord. C'est pas juste, eux, ils ont une double épée lame de rasoir. Moi, j'en ai qu'une seule. Pour ça qu'ils sont plus forts. Méga corroboulin, allez. Alors, j'utilise très peu l'arbalète parce que je l'aime pas du tout. Faut vraiment que je trouve un arc. Je trouve qu'elle est pourrie. Ils sont quand même sacrément costauds, hein, ces mignons. Ils font sacrément mal. Méchant. Moche. Bam. Bon, voilà, c'est bon. Là, normalement, on les a tous trucidés. Attendez. Viens voir, papa. Suivez-moi. Attends, non. Monsieur ton rampette, bouton. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Waouh, qu'est-ce que c'est? Les mignons ont sûrement utilisé le sanctuaire pour invoquer cette chose bizarre. Ah ouais? Je sais comment fermer le portail et m'assurer que cette chose n'apparaisse pas. D'accord. Mais l'invocation est écrite dans la langue de l'ancien royaume. Ça pourrait être long. Et nous avons de la compagnie. Ok, va falloir que je te protège. Éloignez donc ces mignons pendant que je récite l'incantation. T'as intérêt de faire vite, Billy. Ah, la mourousse. On lance pas des bouboules, hein. Ah, oh, j'ai une idée, attendez. Non, on tape pas, Billy. Voilà, comme ça va vous retenir, ça va être bien. Ça vous touche? Ouais, ça la touche. Allez, on recommence. Allez, remets des popos parce que là c'est. Oh là là, oh, c'est dangereux. Ouais, Raxas, dépêche-toi, il y a des monstres partout, c'est le bordel. Par les pouvoirs magiques ancestraux. Dangereux, la bestiole, dangereux. Mais vous arrêtez de la frapper, cette pauvre fille. Elle peut pas parler en langue ancien royaume. Oh la vache. Vous n'avez pas marre de me frapper, hein. J'ai l'impression d'être une victime dans cet épisode.
Tour, va voir qui est la victime. Viens. On a pas marre de lancer des bubbles. Voilà, hein. Non, mais ils reviennent à l'infini le temps que t'as pas fini ta truc ou quoi? Églantine, dépêche-toi, tu... Églantine se fait frapper. Ouais, ben je veux bien, mais excuse-moi ma grosse, on est un petit peu compliqué si tu vois ce que je veux dire, hein. Alors, je tourne une meilleure épée, hein. Je vous le dis pour le prochain épisode, sinon ça va pas le faire. D'accord, d'accord, d'accord. Comme tu veux, paupiette. Bon, t'arrête de taper, madame. C'est... Glanty. C'est l'héroïne qui se prend pas au sérieux. Attends, faut que je te soigne. Voilà. Oh. Et oh, on la laisse tranquille, s'il vous plaît. On se fait pas gang-bang sur elle, s'il vous plaît. Voilà, elle n'a rien demandé. Elle fait juste son travail. Vous n'êtes pas obligé de la frapper. Cette épée est pourrie. Je vous le dis. Ça a marché. Le portail est fermé. Ah bah je te remercie pas. C'était super long, je me suis fait défoncer. Très impressionnant. Venez vous battre à mes côtés quand vous voulez. Mais non, si je dois te protéger, c'est relou. Je devrais retourner à la guilde pour découvrir ce que c'était. En plus, t'as les cheveux plaqués. Youpi. J'ai terminé la quête. Bon, l'armure est classe, l'épée beaucoup moins. On va peut-être pas la choisir sur le long terme, hein. Je vous le dis. Ce qu'il me faudrait, c'est l'épée qu'il y a du côté de Witchwood. De Knossel Glade. Allez, on retourne à la guilde, on regarde s'il y a une quête, s'il y a une quête. On fera ça dans le prochain épisode. Et s'il n'y a pas de quête, on fera la suite de l'aventure dès la semaine prochaine. N'oubliez pas, il y aura donc 3 épisodes le lundi, le mercredi et le vendredi. J'espère que vous êtes contents. Si vous n'êtes pas contents, tant pis pour vous. Pas de carte de cas disponible, très bien. On s'arrête là où ça a commencé. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo. Je change d'armure pour le prochain épisode, je change d'épée pour le prochain épisode. Je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à ciao tout le monde. Allez, merci de m'avoir regardé. Bye bye.